La fierté de l'équipage quelques minutes avant le décollage du Beluga XL pour son premier vol d'essai. Le nouvel avion cargo d'Airbus a décollé jeudi matin de Toulouse-Blagnac sous le regard ébahi de plus de 10 000 personnes, essentiellement des salariés et sous-traitants du groupe Airbus. Le vol, destiné à une batterie d'essai en vue de la certification de l'avion, devrait durer 3 à 4 heures. Ce nouveau Beluga est destiné à remplacer l'actuel Beluga ST à partir de 2019. Il transportera des pièces d'avion de la gamme Airbus entre les différents sites de production du groupe européen. Il pourra notamment transporter deux ailes d'A350 contre une seule pour le modèle en service. Un deuxième exemplaire de cette baleine volante est en cours d'assemblage et doit effectuer son premier vol courant 2019.